Alors, bonjour, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue aux élèves, aux enseignants et aux amateurs de sciences qui se joignent à nous aujourd'hui de partout au pays pour souligner la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Je m'appelle Christian Riel et je travaille au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, mieux connu comme le CRSNG. Nous avons organisé cette activité spéciale en collaboration avec Exploring by the Seat of Your Pants, une formidable organisation qui rend les sciences et le génie accessibles aux élèves canadiens en leur présentant virtuellement des conférenciers qui sont des experts de renommée internationale, comme la professeure Ève Langelier qui sera avec nous aujourd'hui. La Journée internationale des femmes et des filles de science célèbre leurs réalisations et nous rappelle que la science et l'égalité des genres doivent aller de pair afin de relever les grands défis mondiaux auxquels nous faisons face. En effet, les femmes ont joué un rôle important en aidant le Canada à réaliser des percées importantes en science et en génie. Le CRSNG et notre gouvernement appuient ces efforts et créent de nouvelles possibilités pour qu'un plus grand nombre de filles puissent mettre leurs talents et leurs idées au service d'activités comme le codage, l'ingénierie et les mathématiques. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'une des personnes qui contribue à ce soutien. J'ai dit Will Amos, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Monsieur Amos, bienvenue. Monsieur Amos, microphone. Ah, merci et désolé. Bon, merci Christian. Bonjour tout le monde. Quel plaisir de me joindre à l'équipe du CRSNG aujourd'hui alors que nous célébrons la Journée internationale des femmes et des filles de science. Nous observons présentement, à l'échelle de la planète un mouvement en faveur d'une plus grande équité, diversité et d'inclusion. Non seulement dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques, mais également dans toutes les sphères de la société. Et en tant que père de jeune fille de 12 ans, Paloma Grace Flores Amos, ma jeune fille qui étudie au Collège Saint-Joseph à Gatineau, moi je suis fermement convaincu que nous devons poursuivre sur cette lancée. En effet, dans notre monde moderne, en constante évolution, la diversité du Canada, ça nous permet de nous démarquer. Et c'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir les programmes comme Exploring by the Seat of Your Pants, qui vise à entrevoir aux jeunes femmes les possibilités de carrière en STEM, en STEM. En optant pour un travail dans ces domaines, vous auriez non seulement un emploi stimulant, enrichissant et bien rémunéré, mais vous aurez aussi la chance d'améliorer la vie de nos concitoyens jour après jour. Le rôle important que jouent les scientifiques dans la société n'a jamais été aussi clair que pendant la pandémie. Alors, je vous remercie, vous les leaders de demain, et je remercie aussi vos enseignants en STEM qui redoublent d'efforts pour instaurer les conditions propices à votre réussite. Merci beaucoup, Christian. Et merci à vous, Monsieur Amos, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous, aujourd'hui pour cette célébration. Ici, au Canada, le CRSNG est le plus important organisme de soutien à la découverte et à l'innovation et l'un des principaux champions des femmes et des filles en sciences et en génie. J'inviterai maintenant Danica Gousny, la vice-présidente de la Direction des subventions de recherche et bourses au CRSNG, à se joindre à nous pour donner le coup d'envoi à l'activité d'aujourd'hui. Merci Christian et bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Nous sommes fiers au CRSNG de célébrer la Journée internationale des femmes et des filles de science. Chaque jour, nous avons la chance de constater de première main
l'apport important des femmes en sciences, en génie, en technologie et en mathématiques au Canada et partout dans le monde. Et chaque année, le CRSNG accorde du financement à des chercheuses qui font d'incroyables découvertes et des percées décisives qui changent nos vies. Nous soulignons les remarquables innovations de femmes comme la professeure Molly Schoeket de la University of Toronto, à qui on a récemment décerné la médaille d'or Gerhard Herzberg en sciences et en génie du Canada, le prix le plus prestigieux en sciences et en génie au pays. Nous nous associons également à des femmes comme notre invitée spéciale, la professeure Eve Langelier, titulaire de l'une de 5 chaires de CRSNG pour les femmes en sciences et en génie, qui dirige un programme visant à inciter de plus en plus de filles à faire carrière en sciences et en génie. Aujourd'hui, nous ne pourrons souligner que les réalisations de quelques-unes de nombreuses Canadiennes qui ont apporté d'importantes contributions à l'avancement du savoir, grâce à leur curiosité, leurs compétences, leurs travaux de recherche et leurs découvertes. Mais nous espérons que les accomplissements de ces femmes nous aideront plus tard à honorer de plus en plus de filles et de jeunes femmes comme celles qui sont parmi nous aujourd'hui. Ce sont elles qui réaliseront les prochaines percées spectaculaires qui feront de notre monde un endroit sain et sécuritaire où il fait bon vivre. Nous vous présentons maintenant une courte vidéo sur quelques-unes de nombreuses femmes canadiennes qui ont contribué à l'avancement des sciences et de la technologie. Merci beaucoup, Danica, et bravo pour cette excellente vidéo qui met de l'avant des femmes extraordinaires, des Canadiennes qui ont su
pousser les limites du savoir. Comme vous avez pu le constater justement dans cette vidéo, beaucoup de chercheuses ont marqué l'histoire du Canada. Toutes ces femmes ont des parcours distincts qui ont comme point commun, comme point de départ, une passion pour la science. La professeure Ève Langelier est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son parcours, de ses travaux de recherche et de son vécu en tant que scientifique. Elle est ingénieure en mécanique et professeure à l'Université de Sherbrooke. Elle étudie le mouvement et la mécanique du corps pour mieux comprendre comment prévenir et soigner les blessures. Elle est également la titulaire de la chaire du CRSNG pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Découvrons ensemble quelques-uns des projets fascinants qu'elle mène pour aider plus de filles à se tailler une place dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Ce qu'on appelle les STIM, hein? S-T-I-M, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Alors, professeur Langelier, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Génial. Alors, sans plus tarder, je pourrais commencer avec ma première question. En général, les ingénieurs en mécanique, ben, ça étudie des objets comme des avions ou diverses machines. Alors, comment en êtes-vous venu, vous, à étudier les façons de prévenir les blessures chez les humains? Oui, bien, voyez-vous, il y avait un domaine qui existait que je ne connaissais pas au départ, qui est en mécanique, oui, mais plus en biomécanique. Et pourquoi j'ai été attirée vers ça? C'est parce que j'ai toujours été sportive. Donc, vous voyez, j'ai mis plein de photos de moi dans des équipes quand j'étais petite qui faisaient du sport. Puis, j'avais une famille aussi qui travaillait beaucoup dans le domaine de la santé. Donc, ici, vous voyez mon grand-papa qui était radiologiste. Et quelque chose que j'ai pas mis, mais j'aimais beaucoup dessiner. Donc, la première chose que j'ai voulu faire, c'est dessiner des planches anatomiques. Donc, les images dans les livres d'anatomie, comme on voit, ici on voit un cœur, mais c'est ça que je voulais dessiner au départ. Mais ça, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour faire ça. Donc, mais c'est par là que c'est rentré. Puis, après ça, je suis allée en génie mécanique, puis j'ai redécouvert qu'on pouvait faire de la mécanique du corps. Puis c'est ça qui m'a vraiment fascinée puis intéressée. Génial. Excellent. De belles images aussi. dites-moi, là, présentement, là, dans vos laboratoires, qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que vous espérez apprendre? Oui. Donc, ici, sur les photos du haut, vous voyez des personnes qu'on appelle à mobilité réduite. Donc, des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui passent une partie de la journée, sinon toute la journée assise. Chez ces personnes-là, il peut y avoir des plaies de pression qui se développent. Ça va vite. Des plaies de pression, si vous avez déjà eu des ulcères dans la bouche, mais imaginez ça, mais en très gros, en dessous des fesses. Puis ça traverse la peau, ça traverse le gras, ça traverse les muscles, ça se rend jusqu'à l'os. Et ça, c'est très douloureux. Donc, ce qu'on veut faire, c'est comprendre comment ça se développe, puis créer des coussins spéciaux pour mettre en dessous des fesses, puis qui vont mieux répartir la pression, la force que les fesses appliquent sur le coussin pour éviter que des plaies comme ça se produisent. Puis j'ai mis une image en bas à gauche d'un athlète olympique, paralympique qu'on dit, parce que lui, il est handicapé, il a les jambes qui ne fonctionnent plus, puis il skie dans un appareil qu'on appelle un sit-ski. Puis même lui, cet athlète-là, qui a gagné une médaille aux Jeux olympiques, il fait des plaies de pression lui aussi. Donc, ça touche les jeunes, les vieux, les personnes de toute nationalité, ça n'a pas de préférence les plaies de pression, et même les athlètes. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est la machine sur laquelle il est assis. J'ai déjà travaillé là-dessus pour l'améliorer justement avec une équipe pour l'aider à gagner des médailles. Puis à côté, on voit une jeune athlète en ski de fond, elle aussi qui a un handicap aux jambes et qui skie assis dans une luge. Mais là, on améliore sa luge pour l'aider. Puis finalement, vous voyez, là, c'est un dessin avec un espèce de drôle de pied. Mais on travaille aussi sur un appareil pour aider à guérir plus rapidement les blessures au tendon d'Achille. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait dans mon équipe.
fascinant, puis il y a tellement d'applications que c'en est intéressant. Je peux imaginer, ici, on parle de centaines de milliers de personnes qui pourraient bénéficier de vos découvertes et de vos avancées. C'est très impressionnant. Merci. Dites-moi, quand avez-vous commencé à vous intéresser à l'ingénierie et quand avez-vous su que c'était ce que vous vouliez vraiment faire dans la vie? Oui. Écoutez, ça, ça a été très compliqué. Ma mère, en passant, était découragée parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis là, les inscriptions à l'université approchaient. Puis, j'aimais les sciences depuis toujours. J'avais un livre des débrouillards, puis je regardais les expériences scientifiques, puis j'aimais beaucoup ça, mais je savais pas ce que je voulais faire. Puis, c'est mon papa qui, pour le plaisir, pilotait des petits avions. Donc, à partir un peu de 14 ans, là, je me promenais en avion, j'étais souvent à l'aéroport et tout ça. J'ai même sauté en parachute. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé que ce que je voulais faire, c'était dessiner des avions. Donc, je voulais concevoir comment était fait un avion. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller en génie mécanique. Mais comme vous voyez, c'est pas du tout ça que je fais aujourd'hui. Excellent. Merci. En plus de diriger votre laboratoire de recherche ainsi que l'équipe qui la compose, vous êtes aussi titulaire de la chaire du CRSNG pour les femmes en sciences et en génie. Depuis maintenant, déjà 5 ans, hein, que le temps passe vite quand même. Oui. Parlez-nous un peu des programmes que vous dirigez à titre de titulaire de cette chaire et dites-nous comment vous aidez les jeunes femmes à s'intéresser davantage au STEAM, hein, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Ah, j'ai oublié cette diapositive. Donc, dans le fond, on fait plusieurs activités. On fait plusieurs activités pour les jeunes filles, par exemple, pour qu'elles apprivoisent, pour qu'elles touchent, pour qu'elles découvrent les sciences et l'ingénierie. Donc, par exemple, sur l'image ici, on voit des jeunes filles qui jouent avec des little bits pour apprendre l'électronique. C'est hyper agréable, puis on se trompe, on recommence, etc. On travaille aussi avec des enseignants et des enseignantes du primaire et du secondaire pour les aider à mieux comprendre l'ingénierie, par exemple, parce que c'est un peu différent des sciences quand même, mais quand même beaucoup différent. Et donc, on fait des activités, puis après ça, les enseignants peuvent aller faire les activités dans les classes. Des fois, nous, on peut aller dans les classes aussi. Puis, si vous voyez aussi à droite, OK, ça, c'est un dessin d'un enfant qui a dessiné une personne scientifique. Mais souvent, quand on demande à un élève de dessiner une personne scientifique, plus l'élève vieillit, plus il y a des chances qu'il dessine un homme blanc, en sarrau, avec des lunettes, qui fait des choses bizarres dans un laboratoire. Donc, nous, on veut montrer que ben, c'est pas ça nécessairement un ou une scientifique ou un ou une ingénieur. Donc, on présente des femmes, on présente des étudiantes avec des portraits pour essayer de briser ces idées-là qu'on a, puis montrer que finalement, ben, il y a plein de gens différents qui travaillent en sciences et en génie, puis que ça peut être pour plein de personnes différentes avec des intérêts, tu sais, dans la vie. C'est toutes des personnes quand même différentes, là, qui ont une couleur de peau différente, un sexe, un genre différent, ou qui aiment la lecture, qui aiment le sport, qui aiment la musique. Donc, on essaie de faire connaître cette diversité-là. Ça, c'est en gros ce qu'on fait, mais c'est un échantillon de ce qu'on fait. Donc, vous travaillez d'arrache-pied pour contrer ce qu'on appelle aussi là des stéréotypes, hein, où on a tous tendance à mettre tout le monde dans la même boîte, tandis qu'en réalité, surtout en sciences, mais à vrai dire, j'imagine dans chaque domaine, plus il y a de diversité, on peut progresser, plus on peut attaquer un problème, quelque chose à résoudre, d'angles différents, avec différentes perceptions, ce qui, j'en suis sûr, aide ou profite au processus au processus de recherche. C'est important que tout le monde en sciences et en génie soit pas tout pareil. Parce que sinon, on va tout penser de la même façon. Ça prend des gens qui pensent différemment puis qui amènent des nouvelles idées. Donc, la diversité, c'est super important. C'est noté. Parlez-nous maintenant de peut-être quelques-unes des femmes
qui ont bénéficié de vos programmes. Peut-être que certaines d'entre elles ont en effet décidé de devenir chercheurs ou ingénieurs. Oui, écoutez, je vous présente des femmes ici. C'est difficile pour moi de vous parler des élèves parce qu'on en voit beaucoup puis on les perd de vue. Mais je vous présente quatre femmes. Donc, les quatre femmes en haut à gauche, ce sont quatre femmes avec qui on a travaillé à la chaire, qu'on a encouragées. Donc, ici, on les avait amenées à une conférence. Le Gender Summit était une grosse conférence pour la diversité des genres en sciences et en génie. Et à partir de là, on a travaillé beaucoup avec elles. Donc, vous voyez, en bas, il y en a trois d'elles qui ont reçu un prix, qui ont été honorées au Gala Force à venir parce qu'elles ont organisé une grande conférence Femmes en physique au Canada. Puis, elles restent encore très impliquées. Puis, Maude est rendue, elle travaille en intelligence artificielle. Sophie et... j'ai un blanc. elle travaille en physique. Donc, une étudie en physique et une travaille en physique. Ensuite, vous avez à l'autre photo Edith. Edith qui fait une maîtrise à l'École polytechnique en ingénierie et qui a gagné l'Ordre de la Rose Blanche, donc qui est un prix décerné pour les femmes qui s'impliquent en sciences et en génie. Puis à côté, vous avez Catherine. Donc, Catherine qui participait à un atelier, donc vous la voyez en action, participer à un atelier que la chaire a fait. Et là, elle fait un doctorat et comme vous la voyez, elle a comme inventé une troisième main robotisée qui peut aider les gens dans des tâches. On peut aller cueillir des fruits, on peut peinturer un mur, on peut faire différentes choses avec ça. Donc, elle travaille sur ce produit-là. Donc, c'est des filles qui ont des beaux cheminements en avant d'elles et en arrière d'elles. Génial. Merci. J'invite les classes qui nous écoutent. Là, dans quelques minutes, nous allons passer à vous. Alors, si vous avez des questions pour Eve, je vous invite à les préparer. Si votre microphone ne fonctionne pas, vous pouvez les écrire dans le chat. Mais si votre microphone fonctionne, on va être en mesure d'aller vous rencontrer puis de vous permettre de poser directement la question à Eve. Alors, avant de passer justement aux questions du public, une dernière question. Avez-vous des conseils concrets à donner aux filles qui sont actuellement au primaire, au secondaire, pour les aider à se préparer à faire carrière dans les sciences et le génie? Oui. Écoutez, j'ai regroupé trois photos ici de filles et de garçons en action. Puis, ce que je veux vous dire, c'est essayer. Soyez curieuses, essayez différents montages, essayez des lectures, essayez de vous informer, soyez vraiment curieuses et n'ayez pas peur des erreurs, de vous tromper, c'est pas grave, on recommence ou on change de trajectoire. Puis, justement, ici, on voit là, trois étudiantes en génie mécanique qui avaient gagné un prix pour quelque chose qu'elles avaient fabriqué. Donc, elles ont travaillé fort, elles ont essayé, des fois, elles se sont trompées. Donc, essayez, être curieuse, puis se faire confiance. Et, c'est mes principales recommandations, si je peux dire, conseils. Excellent. Merci. De judicieux conseils, mesdames. Là. J'espère que vous avez pris note de ce que Eve vous propose. Alors, on va maintenant passer à des questions des jeunes qui nous regardent. On a deux classes qui sont capables de nous poser des questions en utilisant leur microphone. Hein. Des fois, il y a des petites technicalités qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. J'aimerais, je pense, aller justement... on voit une classe qui vient d'apparaître. Et je me demande s'il y a quelqu'un qui va venir poser... Non, OK, c'était juste... Oh, alors, voilà. Est-ce qu'on aurait une question de votre part, M. Benoît? Ah, et malheureusement, le son ne fonctionne pas. Ah, OK, écrivez-nous votre question. Je sais que la classe de Mme Roberge... Madame Roberge, avez-vous quelqu'un qui voudrait poser une question à Eve? Ce serait l'occasion idéale. Peut-être, mais dans une petite minute, on... Merci. Super, c'est l'émotion, hein, n'est-ce pas? je crois qu'on a aussi une autre classe. Une question, sixième année.
Je pense que tu la vois, Ève, mais je vais la poser. Qu'est-ce que c'est qui vous a inspiré à être scientifique? À la base, je suis ingénieure, donc qu'est-ce qui m'a poussée peut-être à continuer plus loin? C'est drôle à dire, hein, mais moi, j'étais très bien à l'école. J'aimais beaucoup apprendre, j'étais curieuse, donc j'ai voulu continuer. Puis quand j'ai terminé, j'avais fait juste le génie mécanique. Le génie mécanique, j'aimais beaucoup ça, mais c'était plus, comme Christian le disait, on parle plus d'objets mécaniques. Ça peut être des autos, des avions, ça peut être des machines dans des usines, ça peut être différentes choses. Mais là, il y avait un nouveau professeur qui faisait de la bio-ingénierie, puis ça m'intéressait vraiment. Fait que j'ai continué à la maîtrise. Puis après ça, il y a un professeur qui m'a parlé de doctorat. Puis ça avait l'air intéressant, fait que j'ai continué. Donc, ça a été... J'avais pas un grand plan de carrière en avant de moi, mais j'aimais ça, j'aimais apprendre. C'était toujours nouveau, puis c'était... Ça me passionnait de plus en plus, donc je suis restée là. Puis je suis devenue scientifique comme ça. Es-tu d'accord avec moi, Ève, que c'est clair que c'est difficile, plus jeune, de savoir exactement où on va aboutir dans 10 ans, dans 15 ans? Donc, cette idée peut-être un peu de se laisser mener par ce qu'on aime faire, par nos intérêts. Et à chaque étape, j'imagine, disons, cégep, université, baccalauréat, on découvre justement non seulement de nouvelles opportunités, mais j'imagine qu'on découvre aussi des choses à son sujet qui fait en sorte qu'éventuellement, ça devient peut-être plus facile de s'orienter vers une carrière bien précise. Oui, okay. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça dépend aussi. Hein. Il y a des jeunes qui se connaissent très tôt puis qui ont des plans. Moi, je me souviens d'une amie, là, elle est allée dans un centre commercial, elle avait vu une main robotisée puis elle savait que c'est ça qu'elle voulait faire. Donc, elle rentrait en génie pour faire ça. Donc, moi, c'était pas ça du tout. Donc, il y a différentes histoires, mais oui, plus qu'on avance, puis des fois, on a de l'inquiétude. Oui, mais moi, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais savoir quelles questions me poser? Est-ce que je vais savoir sur quoi réfléchir? Est-ce que je vais être capable d'inventer quelque chose? Mais à mesure qu'on avance, c'est un pas à la fois, puis on devient de plus en plus confiant, puis on se connaît plus, puis on sait ce qu'on aime plus. Donc oui, ça se dessine éventuellement. Des fois, il y en a que ça se dessine plus tôt, puis des fois plus tard, mais ça se dessine, le chemin se dessine. Génial, merci. On a des questions, là, on a deux questions, je pense, qui viennent de la classe de M. Roberge. Alors, je vais demander à Jessie deux questions en live. Madame Roberge, live connection. Oh, je suis back. Ah, OK, voilà, ça revient, ça repart. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, désolé, on avait quitté par accident. Alors, il y aurait Maria qui voudrait poser une question. Vas-y, Maria. Bonjour. Allô? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont des scientifiques? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis je dirais, c'est premièrement, il y a beaucoup de filles qui ne savent pas qu'elles peuvent devenir scientifiques ou qu'elles ne savent pas qu'est-ce que ça fait un scientifique ou une ingénieure ou une scientifique. Ça, c'est une question. Puis, il y a beaucoup de filles aussi qui veulent, comment je dirais ça, aider les gens. Puis, des façons d'aider les gens, c'est devenir professeur, aller en médecine. Mais on peut beaucoup aider les gens aussi avec l'ingénierie parce qu'on peut développer des produits, par exemple, qui vont les aider. En science, on peut développer des médicaments. Donc, je pense que c'est parce que entre autres, les gens le savent pas. Puis, les gens pensent que les filles sont bonnes en français puis en anglais, puis les gars sont bons en maths. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de sexe pour aller en science et en génie. Super. Maintenant, peut-être aller à une question dans la classe de M. Benoît. Je crois qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à vous poser une question en direct. Allez-y. Oh, je crois qu'elle parle, mais on ne l'entend pas. Malheureusement. Puis avec son masque, c'est plus compliqué que jamais. Ah, bon, écoutez, ça va revenir. Une question qu'on a reçue, justement,
une question peut-être un peu plus spécifique à votre sujet de recherche, peut-être moins lié au développement de votre intérêt pour les sciences. Alors, comment est-ce que ça a commencé? Écoutez, c'est un petit pas à la fois, parce que quand j'étudiais, je travaillais sur le cartilage et l'arthrite. Et après, quand je suis devenue professeure, ben, il fallait que je trouve moi-même mon sujet de recherche. Puis, ben, c'était pas très loin des blessures aux tendons. Parce que moi, ce que j'étudie, là, c'est je prenais avant des tendons. Puis là, je faisais faire des exercices aux tendons qui étaient vivants. Puis, je regardais s'ils se réparaient, s'ils s'abîmaient, etc. C'est ce qu'on appelle la mécanobiologie. Puis, après ça, ben, j'avais le goût de me rendre plus près des gens, plus proche de les guérir, plus proche d'amener des technologies pour eux. Puis, ben, mon conjoint travaille pour une compagnie de fauteuils roulants. Donc, c'est pour ça que j'ai été au fait des plats de pression et qu'il y avait des besoins au niveau des coussins pour les aider, etc. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Merci. On a une question de Miss Marion, je pense, voilà, qui vient d'apparaître à l'écran. Une bonne question. Oui. Écoutez, quelle est la qualité ou la plus grande force d'une scientifique? Je vais vous en donner deux. Une qu'on va penser comme plus dans le domaine scientifique, puis une dans un domaine, je veux dire des sciences humaines, qu'on ne pense pas qu'il y a en génie donc, ou en science. La rigueur, c'est super important. Je pourrais dire la curiosité, il y en a plein, mais maintenant, je vais dire la rigueur d'un côté. Puis une à laquelle on ne pense pas du tout, c'est le travail en équipe puis la collaboration. Parce que une personne en science ne travaille pas toute seule dans son laboratoire comme on pense. C'est du travail d'équipe. Puis des fois, il y a des collaborations avec d'autres laboratoires. Puis il faut superviser des étudiants. On travaille avec des collègues, etc. Donc ça, c'est super important aussi. Super. Je crois qu'on a d'autres questions qui arrivent de... Oh, voilà, madame, oui. Alors, c'est Adeline. Bonjour. Bonjour. Sur quelle nouvelle aventure travailles-tu? Sur quelle nouvelle quoi? Invention. Invention! Oui, ce qu'on essaie de faire, c'est... on veut faire... On prend les empreintes des fesses déjà, parce que ce qu'on veut faire, c'est un coussin qui va avoir leur forme de fesses dedans. Puis quand ils vont s'asseoir, ils vont être super confortables. Puis s'ils restent assis plus longtemps, ils ne se feront pas de plaies en dessous des fesses. Fait qu'en gros, c'est là-dessus qu'on travaille. Super. Une question au bas de l'écran. Regrettes-tu parfois d'avoir choisi ce métier? C'est une bonne question! Non, je ne regrette pas. Oui, il y a des jours, ça peut être plus difficile. Il y a des jours que je me dis, ah, peut-être que je serais allée dans tel domaine, mais non, je ne regrette pas du tout. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis, j'ai la chance aussi, comme je travaille à l'université, bien, je fais deux choses. Je partage ma passion avec des étudiants. Donc, une partie de mon travail, c'est d'enseigner. Puis, l'autre, c'est de faire de la recherche. Donc, c'est un peu comme si j'avais ma petite entreprise. Puis, je travaillais avec une équipe sur des projets qui me passionnent. Donc, non, je ne regrette pas. Génial. Une autre question en direct. Ah, on parle de préjugés. Oui. Est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y a des préjugés là, dans l'univers dans lequel vous vous opérez par rapport aux femmes en génie et en sciences? Oui, bien, il y a des préjugés. Il y a des préjugés à différents moments. Dans le fond, ce qu'on remarque, c'est différentes raisons. Il n'y a pas juste les préjugés qui expliquent ça, mais... dans les carrières en sciences, par exemple, les femmes progressent moins vite que les hommes. Donc, les postes qui sont dans des positions de décision, c'est beaucoup plus les hommes. Puis aussi, ben, les femmes, plusieurs femmes vont vouloir avoir des familles, puis un préjugé que la famille, ça nuit à la performance en sciences. Donc, oui, encore ça, mais je pense que ça s'améliore beaucoup. Il n'y a pas si longtemps,
Il n'y avait pas de femmes en sciences, ou très, très peu, là. Donc, on a encore du chemin à faire, mais on en a beaucoup de fait. Génial. Merci. On a d'autres questions via YouTube cette fois-ci. Alors, vous pouvez la voir en bas d'écran. Plus grande difficulté d'être une ingénieure. Moi, je suis en génie mécanique. Puis, en génie mécanique, dans mon département, il y a à peu près 35 professeurs et on est deux femmes. Donc, ça, c'est sûr que ça fait une différence. Ça fait une différence. Les hommes sont très, très gentils. OK, ça, je... mais j'ai pas toujours les mêmes sujets de discussion, par exemple, avec eux autres. Des fois, j'ai une petite équipe avec la chaire. Moi, c'est des filles. Fait que je me sens des fois mieux avec les filles qui sont pas en génie qu'avec les hommes. Mais je dirais que ça, c'est une difficulté. Une autre difficulté, c'est pas tant une difficulté, mais il faut savoir respecter ses limites. Parce que quand on est ingénieur, il y a comme un code d'éthique et il faut savoir son champ de compétences. Donc, c'est pas une difficulté, mais c'est comme quelque chose à respecter, qu'il faut tenir en compte, là. Super. Une dernière question de YouTube. Ensuite, on va passer à Mme Roberge. Puis, je crois que la fin de notre entretien tire à sa fin. Donc, combien de femmes scientifiques et astronautes y a-t-il au Canada? Ben là, si on compte les deux en même temps, je ne sais pas. Mais je vous dirais que c'est environ 30 % des scientifiques qui sont des femmes. Environ. Mais ça, c'est tous les domaines confondus. Même si on pense, par exemple, à la biologie, où il y a vraiment beaucoup de filles, de femmes, donc ça monte le nombre d'inscriptions, le nombre de femmes, ça monte le pourcentage, mais si on va dans des génies, par exemple, on va être plus autour de 10 %, donc ça dépend des domaines, mais en moyenne, on est autour de 30 %. Puis là, les astronautes, je peux pas répondre, Christian, tu connais la réponse? Ben, écoute, je crois qu'il y en a une présentement dans l'équipe, alors ça, c'est une excellente nouvelle, puis on se souvient aussi peut-être de deux grandes astronautes, Julie Payette et Roberta Bondar, qui ont vraiment bien représenté le Canada dans la station spatiale, justement. Donc, je crois que sur ce front, ça va quand même assez bien au Canada. On a une autre question en direct. Allez-y. Alors, c'est Ella et Alia. Bonjour! Bonjour. Est-ce que vous voulez étudier quelque chose d'autre? Et aussi, mon amie Alia a une question. Est-ce que quelqu'un a inspiré toi d'être un scientifique? Je suis pas certaine d'avoir bien compris à cause du masque. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Est-ce que quelqu'un a inspiré toi d'être un scientifique? Est-ce que quelqu'un vous a inspiré à devenir scientifique? Oui, OK. Première question, est-ce que je vais étudier quelque chose d'autre? Savez-vous, ce qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci, c'est comment enseigner la science et la technologie aux élèves du secondaire et du primaire. Ça, c'est quelque chose, je travaille avec des gens en éducation. Pour faire ça, pour bien faire comprendre c'est quoi l'esprit de la science et l'esprit du génie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a inspirée? Mon père qui est en physiologie m'a d'abord inspirée, mon grand-père qui est en radiologie, puis ensuite ça a été des professeurs à l'université. Donc j'ai un professeur qui est devenu un ami. Qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Puis, j'ai une femme mentor aussi qui s'appelle Claire Deschênes, qui a reçu un beau prix du CRSNG, qui a reçu des doctorats honorifiques, qui est encore une mentor aujourd'hui pour moi. Puis, elle a travaillé dans les turbomachines, donc dans les centrales hydroélectriques. Puis, en même temps, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les femmes en sciences et génie. Et même à la retraite, elle continue. Donc, ce sont les personnes qui m'ont inspirée, oui. Super. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question et ensuite on va
vous remercier sincèrement, Ève. Alors, tu nous présentes bien le portrait des femmes. Est-ce que les hommes anciens sont des défis ou souffriraient de préjugés quelconques? En fait, ce que je dirais, c'est avant. On va y aller comme ça, OK? Avant, le scientifique ou la personne scientifique, c'était quelqu'un qui travaillait 70 heures par semaine, OK? Qui avait ou pas d'enfants ou qui avait quelqu'un à la maison qui s'occupait des enfants. Aujourd'hui, c'est plus la réalité. Donc, des fois, on parle du défi des femmes, mais c'est des nouveaux défis, je dirais. Donc, il y a des papas aujourd'hui qui doivent aussi conjuguer le travail et la famille. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent des congés parentaux ou qui doivent manquer une journée parce que leur enfant est malade, doivent rester à la maison et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Sinon, des défis, il y a toutes sortes de défis. Puis, on a parlé beaucoup des femmes. Je ne connais pas nécessairement des défis spécifiques aux hommes. Mais chaque personne, il y en a qui vont avoir plus des difficultés justement à concilier leur horaire. Il y en a pour qui ça va être plus facile. Il y en a qui vont peut-être avoir plus des défis au niveau de la santé. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre. Puis, notre système est en train de s'adapter. Mais s'adapter à ce qu'on voyait avant. Quelqu'un qui travaillait beaucoup, beaucoup, tout le temps. Aujourd'hui, c'est plus ça la réalité. Aujourd'hui, les gens veulent avoir une qualité de vie. Les gens ont d'autres choses à côté du travail. Donc, le défi est à s'adapter à ça, je dirais. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Langelier, d'avoir si bien répondu aux questions que les jeunes ont eu le courage de vous poser. C'est malheureusement le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Alors, merci à toutes les gens qui étaient présents. Merci pour vos questions et merci d'avoir pris le temps de souligner cette journée bien spéciale qui est la Journée internationale des femmes et des filles de science. Alors, merci et au revoir.